m'appelle Solène Robert, j'ai 20 ans et je viens du Morbihan, de la commune de Sarzeau. Je navigue depuis tout petit, mais mes parents faisaient beaucoup de bateaux et du coup j'ai commencé à naviguer avec eux depuis que je suis vraiment tout petit. Et ensuite j'ai commencé la voile en club vers l'âge de 8 ans. Donc en 2015, j'ai été champion de France de F18 et j'ai été vice-champion du monde jeune de F18. Et ensuite, l'année dernière, j'ai fait deuxième au classement amateur sur le Tour de France où je me battais contre l'équipage de Team France Jeune. Donc à bord, je suis le régleur d'aile, je suis juste devant Robin et c'est moi qui m'occupe de régler l'aile qu'il y a sur le bateau. Au sein de l'équipe, la vie de tous les jours, c'est vraiment un régal. On a une superbe équipe, des bons coachs, un bon préparateur physique et une belle équipe technique. Et on s'entend vraiment bien et c'est vraiment agréable. Bah écoute, les Bermudes, c'était super. Il faisait beau, l'eau était bleue. Et non, vraiment super de naviguer autour de tous les bateaux qui vont faire la vraie America's Cup, les AC50. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'on va pouvoir aller chercher un podium, voire même une victoire.